très heureuse de vous voir si nombreux à avoir répondu à l'invitation du Conseil Général pour ces 10e trophée de musique et danse traditionnelle du Finistère. Vous avez, ainsi que moi, donc vérifié la vitalité de tous les acteurs, le talent, la diversité de ce talent. Et il faut le rappeler quand même, moi je suis toujours impressionnée par la qualité professionnelle des spectacles qui nous sont présentés, alors que ce sont tous des amateurs, et c'est vraiment à souligner. Cet investissement est vraiment très important, et je les en remercie, je les félicite. Je remercie aussi, j'en profite pour remercier la ville de Fouesnant et puis l'équipe de l'Archipel pour leur accueil ici dans cette salle qui nous a permis d'assister à des spectacles dans de très bonnes conditions. Donc les trophées qui vont être remis, donc il vous en a déjà été parlé, ils récompensent plusieurs choses. D'abord, c'est vrai, la formation et la transmission, parce que ces musiques traditionnelles, sans la transmission, c'est vrai, ne serait rien. Ensuite, l'ancrage territorial, parce que tous ces acteurs des trois fédérations participent à ce tissu social si fin et si chaleureux en Bretagne, et il faut le souligner aussi à chaque fois. Et puis enfin, tout ce qui tourne autour de la création et du dialogue avec la modernité, parce que c'est ainsi dans ce dialogue que s'écrit encore chaque jour l'histoire de la Bretagne, des musiques et de ses traditions, et de ses danses. Donc je voulais aussi mettre en avant ce soir Jean-Yves Pennec, qui va peut-être justement quelques mots à nous dire sur ce dialogue entre modernité, contemporanéité et tradition. Merci, bonjour. Juste quelques mots pour dire que j'ai réalisé ces trophées qui étaient une première pour moi, puisque c'est plutôt un travail, pour ceux qui le connaissent, qui a à voir avec une prolongation des questions de la peinture au XXIe siècle. Mais je les ai réalisés avec le matériau qui est l'objet compagnon de mon travail depuis maintenant quasiment 15 ans, qui sont les cajots de fruits et légumes que je récupère, je glane au fil des marchés. Et donc ici, pour chacun des groupes récompensés, d'abord je me suis renseigné sur... Pour Bonnet les garçons, Ariel Pénarbé, André Kefelec, Thomas Galeron.